Bonjour, bienvenue. Je suis content de vous accueillir à bord. On est en Bretagne Sud, à Belle-Île-en-Mer. On vient de partir du port de Sauzon. Voilà, on va faire une journée de pêche sans cibler une espèce en particulier. On va faire vraiment une sortie multi-pêche. Et voilà, je vais essayer de pêcher ce matin, commencer par la côte avec des pêches assez légères pour essayer de voir un petit peu quelles espèces sont là. Et puis, je pense qu'on va avoir une très belle journée. Donc, je ne sais pas si la pêche dans peu d'eau cet après-midi va fonctionner avec le soleil qu'on a. Donc, je pense que petit à petit, dans la journée, on va descendre en profondeur. Mais bon, ça, on va voir selon les touches. Et puis, petit à petit, on va affiner, changer de technique de pêche ou de spot en fonction de la journée. Donc voilà, là je vais commencer, on a 5 m50 d'eau, on est à une centaine de mètres du bord et puis on a une dérive qui va nous amener vers le bord. Je vais en faire 2 ou 3 comme ça, sur une zone où voilà, c'est une alternance de langues de sable et de roches au fond, donc ça peut tenir vraiment plein d'espèces différentes. Et moi j'aime bien commencer par ces zones-là parce qu'en général on a pas mal d'informations et ça nous permet après de construire un petit peu mieux la journée. Alors là, je vais commencer avec un petit leurre souple, un X-layer, là, sur une tête de 7 grammes. Ça me permet, dans des profondeurs comme ça, entre 2 et 8 mètres, de peigner entre deux eaux assez rapidement et d'avoir les premières touches. Ici, on peut trouver quelques vieilles. Il n'y en a pas énormément sur cette zone-là, mais ça pourrait arriver. Il y a pas mal de petits lieux jaunes. Il peut y avoir des très jolies barres. C'est pas tous les jours, mais quand il y en a ici, souvent, c'est des jolis poissons. Et il y a pas mal autrement de maquereaux qui passent, d'aiguillettes, de choses comme ça. Donc là, je vais essayer une pêche assez dynamique avec ce leurre-là. Et puis, j'ai monté un autre leurre, un petit shad monté en anti-herbe à côté pour gratter un petit peu plus doucement. Et puis, je vais alterner un petit peu entre les deux. Alors là, je vais lancer tout simplement le plus loin possible. Je laisse descendre le leurre pendant 2 à 3 secondes, là j'ai 5 mètres d'eau, donc je ne laisse pas descendre tout à fait au fond, mais pas loin. On peut compter comme ça sur une tresse fine, une tête plombée de 7 grammes et un leurre de ce gabarit-là, on peut compter à peu près 1 seconde par mètre de descente. Donc là, mon but, c'est juste qu'il arrive entre deux eaux, et puis après, je vais donner des coups de sion pour l'animer, pour le faire se décaler de droite à gauche, et après chaque coup de sion, je stoppe pour laisser redescendre. Très souvent, c'est pendant la descente qu'on va avoir les touches. Là, je pense qu'il y a quelques petits poissons, petits lieux ou aiguillettes. Ah, aiguillettes. Je sentais des tout petits coups dans la ligne. Voilà. Hop. Aiguillette prise sur un petit leurre souple, sur un X-layer. Là. Bon, c'est le premier poisson de la journée. Mais je pense qu'il y a autre chose, il n'y a pas que ça ici. Hop. Alors là on est parti du port à 9h, la marée est basse vers 10h40 à peu près, donc on pêche vraiment les derniers moments de marée descendante. Après on va voir toute la marée montante qui va pouvoir être vraiment intéressante. Et là ce que j'ai choisi de faire, donc, c'est de pêcher à la côte et de pêcher des zones où il y a des postes assez marqués, donc des alternances de roches, de sable, des gros rochers à certains endroits, des laminaires, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant, donc les zones de courant qui apportent de la nourriture là seront très favorables pendant la marée montante tout à l'heure, au milieu de la marée, mais là il n'y a quasiment plus de courant, donc j'essaie plutôt de me focaliser sur les postes très marqués. On me touche encore, mais c'est ça y est, des petits poissons. Ah, je sais pas ce que c'est encore. On va voir. C'est pas très gros. Peut-être un petit lieu. Bon, c'est vraiment des petits poissons là, mais le but c'est de prendre des informations, quelques touches. Après l'aiguillette, voilà le petit lieu. J'espère qu'on fera plus gros dans la journée. Toujours avec le petit X-layer, en pêchant entre deux eaux. Ça marche très bien pour essayer de prendre plusieurs espèces différentes. Allez, je vais le remettre à l'eau. Bon, là, on vient de se replacer. J'ai vu qu'il y avait un peu de courant sur l'extérieur du poste que je pêchais. Ça va durer peut-être un quart d'heure encore, après on sera quasiment sur l'étale. Donc je vais essayer de profiter de ce moment où il y a un peu de courant
Par contre, il y a plus d'eau là, on a une dizaine de mètres, donc je vais plomber un peu plus. Je vais plomber à 10 grammes. Il n'y a pas énormément de courant non plus, mais 10 grammes ça devrait suffire. Je vais garder le même leurre, parce que j'ai eu quelques touches dessus, donc je pense que le X-Layer là, ça peut être pas mal pour aujourd'hui. Donc voilà, je vais mettre la taille au-dessus. Il y a un peu plus d'eau, on peut essayer de faire un poisson un peu plus gros. Je vais mettre donc 10,5 g dessus. Allez, je vais le monter dans ce sens-là. Souvent, j'aime bien mettre la face arrondie dessous quand j'ai envie que ça perce assez vite la couche d'eau, ou la face plate dessous si j'ai envie qu'il plane un peu plus. Là, il y a 10 mètres, j'ai que 10 grammes, j'ai envie que ça descende assez vite, donc je vais le monter dans ce sens-là. Quand on monte un leurre, il y a une petite technique, c'est quand on voit que le leurre commence à arriver sur la partie droite de la hampe, c'est le moment où il faut sortir la pointe. Et là, si vous faites ça, votre leurre sera toujours parfaitement monté. Une petite technique pour les débutants qui ont du mal à monter des leurres qui sont vraiment tout droits, voilà, d'avoir en tête le petit truc pour qu'ils soient montés toujours à la perfection, complètement droit. Et ça change beaucoup hein, les résultats de pêche. Si vous avez un leurre qui est mal monté sur l'hameçon, bon, les jours où les poissons sont vraiment très actifs et ont faim, vous allez en prendre, mais les jours où ils sont un petit peu compliqués, ça va être plus difficile quand même. Donc là, la difficulté sur le poste qu'on est en train de pêcher, c'est que le courant nous amène dans ce sens-là. Par contre, le vent vient ici, donc mon leurre va avancer beaucoup plus vite que le bateau. Parce que en gros, le bateau, il bouge quasiment pas. On a à peu près les mêmes forces, vent contre courant. Par contre, mon leurre est porté par le courant, parce que lui, il subit pas la contrainte du vent. Et ce que je fais, du coup, c'est que je vais lancer dans cet axe-là, et petit à petit, je vais le laisser au fond, évoluer avec le courant. Et puis, quand il arrive à peu près dans cet axe-là, bon là, j'ai une ligne tendue, mon leurre nage beaucoup moins bien. Mais sur toute la partie où il est en train de dériver lui, et où je peux lui laisser du mou pour lui laisser de la vie, là c'est pêchant. Après, quand je suis vraiment dans l'axe, c'est moins intéressant. Là je savais, parce que je suis déjà venu pêcher sur le poste, je savais qu'il y avait des laminaires à cet endroit-là, mais encore une petite touche. Sur une zone qu'on connaît assez mal, toujours pas mal d'avoir quelques infos sur le substrat, sur le type de végétation qu'il y a au fond. C'est des aiguillettes, je pense. En fait. Là, j'ai un leurre un petit peu gros pour l'aiguillette. On voit que m'a tiré un petit peu le leurre. Alors, je pourrais mettre de la colle pour que ça arrive pas. Il y en a qui le font. Je le ferai si ça arrive trop fréquemment, mais quand j'ai le choix, je préfère ne pas en mettre. J'ai toujours peur que l'odeur de la colle sur un bar un petit peu difficile qui vient mettre le nez dessus, qui hésite à prendre, j'ai peur qu'il refuse. Alors c'est peut-être simplement dans ma tête, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est important de pêcher en confiance et quand j'arrive pas à avoir de touche et que j'ai de la colle, je me dis toujours que c'est peut-être pour ça, donc je préfère ne pas en mettre. Après, si ça m'arrive tous les 2-3 lancers, je finirai par en mettre. Essayer dans l'autre sens. Ça, c'est important aussi de changer les sens de prospection. Là, ce que je faisais avant, c'est que je faisais en sorte que mon leurre soit porté par le courant, comme un poisson qui est en train de nager tranquillement dans le courant. Là, je vais faire l'inverse, c'est que je lance en amont du courant et je vais ramener assez vite, comme un poisson qui est en train de descendre le courant très vite. C'est peut-être un petit peu moins naturel, mais il y a des jours où les poissons qu'on cherche à prendre sont un petit peu plus difficiles et où on va essayer de provoquer une attaque réflexe, parce que le poisson leur arrive en face de la tête et soit ils le prennent, soit ils ne le prennent pas. Ils n'ont pas le temps de calculer. Donc il y a certains jours où il y a un sens qui va marcher 10 fois plus que l'autre. Donc il faut toujours tester les deux. Donc là j'ai changé de sens à mon leurre. J'ai mis la face plate en dessous parce que je veux essayer de le faire planer un peu plus. Comme je veux avoir une animation un peu plus dynamique, j'ai pas envie qu'il retombe au fond très vite.
Pareil, ça j'essaie un petit peu les différentes combinaisons. Et quand on a enregistré 3-4 touches sur une combinaison et 0 sur l'autre, ça nous donne des clés pour ce qu'on va faire après. Mais en début de partie de pêche, c'est toujours important d'essayer plein de choses différentes pour avoir des informations, tout simplement. J'ai des toutes petites touches, mais là c'est des petits poissons, mon leurre est trop gros, mais c'est pas grave. Je pense que je pourrais réussir à les prendre en mettant un leurre plus petit, mais bon. Ils sont vraiment petits encore là. Alors je sais pas si c'est des petites aiguillettes ou des tout petits lieux, quelque chose comme ça. Alors là on s'est éloigné un petit peu du bord parce que bon, on a pris quelques poissons mais il n'y avait pas une grosse activité. On va essayer dans 19 mètres d'eau là, 19-20 mètres. Et je vais essayer au One Up Shad avec un petit One Up Shad en 4 pouces parce que bon, je reste dans la logique d'utiliser des leurres qui prennent un peu toutes les espèces. Et puis voilà, là c'est un coloris, j'ai choisi un coloris vert un petit peu pailleté comme ça parce que c'est à peu près la couleur de l'eau. Et souvent c'est une bonne base d'utiliser un leurre qui est à peu près de la même couleur que l'eau pour commencer. Donc là j'utilise une tête de 10 grammes, ça peut paraître peu pour pêcher dans 20 mètres. Avec une tresse très fine comme celle que j'utilise, en fait ça va très bien. Et j'aime bien, quand j'ai le choix, pouvoir utiliser des têtes légères. Parce qu'il y a une partie des poissons qu'on recherche qui attaquent en aspirant le leurre. Donc ils ouvrent la bouche, ça fait un appel d'eau, et le leurre rentre, enfin le leurre ou la proie, rentre à l'intérieur de leur gueule. Ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément mordre le leurre. Et forcément, si on essaie d'imiter une poids qui fait une vingtaine de grammes, et qu'on met une tête de 40 grammes, l'effort que le poisson va faire pour essayer de l'aspirer va pas être suffisant. Donc parfois, le leurre rentrera pas du tout dans la gueule. Parfois, on aura des touches un peu trop courtes. Et on se dira, les poissons mordent mal et c'est souvent juste qu'on pêche trop lourd et voilà, ils s'attendent à aspirer quelque chose de léger et on leur propose quelque chose de trop lourd. Donc j'essaie quand c'est possible, quand les conditions le permettent, d'avoir un ensemble leurre tête plombée qui pèse à peu près le poids d'une proie de cette taille-là. Donc voilà, là je dois avoir 15 à 20 grammes en tout, c'est à peu près la densité, le poids d'une proie de 10-12 cm. Donc là, l'idée, c'est que une fois que j'ai lancé mon leurre, je vais le laisser descendre, couper complètement la couche d'eau et aller jusqu'au fond parce que c'est un endroit où j'ai un fond assez propre. Et puis, comme j'essaie de prendre un peu toutes les espèces, bah, y a quand même pas mal d'espèces qui vivent à proximité du fond. Donc je vais essayer de pêcher les 3-4 mètres au-dessus du fond. Donc de temps en temps, je vais prendre contact avec le fond. Dès le lancer, je laisse tomber au fond. Après, je vais ramener un petit peu comme ça, faire quelques animations. Et puis, je vais laisser redescendre. Et soit je sens dans la canne le leurre qui touche le fond, souvent quand il y a un fond assez dur, c'est ce qui se passe. Quand il n'y a pas de vent et tout ça, même sur un fond on va dire un petit peu mou, on le sent aussi. Et il y a un autre indicateur, c'est ma tresse là. D'un coup, quand mon leurre a touché le fond, je la vois se détendre en fait. Ça tire plus dessus, donc ça veut dire que je suis au fond. Et là, je récupère un petit peu, je refais quelques animations et je le relaisse descendre au fond. Et très souvent, c'est pendant les phases où le leurre descend qu'on a les touches. Là, hop, ma tresse s'est détendue, c'est que je suis au fond. Je peux reprendre. Et je le relaisse tomber, je fais quelques petites animations. Je vais chercher mon contact avec le fond. Là, il n'y est pas encore. Ça y est, il y est. Et on voit vraiment que la tresse se détend dès que le leurre est au fond. Poisson. Je sais pas ce que c'est, pas très gros. Une vieille. Je vais la mettre dans l'épuisette, ce sera plus pratique.
même si elle n'est pas très grosse. J'ai un fil très fin là, donc je préfère la prendre comme ça. Hop, prends-moi mon leurre. Avec un petit one-up shad. Hop. Et ben voilà. Bon, ben on fait dans la diversité. Hein. Là, je vais essayer avec un petit casting jig, une Nabura DK en 30 grammes. Parce qu'on est sur une zone où je peux prendre du poisson au fond, ça peut être un petit pagre, une dorade, quelque chose comme ça, même des barres. Et en même temps, c'est une zone où je peux avoir de l'écho entre deux eaux, donc je vais surveiller le sondeur et si je vois qu'il y a un banc de poisson entre deux eaux, ça pourrait être du macro, ça pourrait être du chinchard, je vais remonter dedans et essayer de les intercepter. Donc on va faire une ou deux dérives comme ça en essayant, et puis on verra ce qui se passe. Alors là, pour le casting jig, j'utilise une canne plus souple. On pourrait le faire avec la canne que j'avais tout à l'heure, mais bon, j'ai la chance d'avoir plusieurs cannes, donc j'essaie d'utiliser les cannes vraiment adaptées. Ça permet d'avoir une action un petit peu meilleure, la souplesse de la canne. Ça permet aussi de s'amuser sur des poissons comme le maquereau. Donc voilà, là j'ai une canne en 7,28 grammes. Je vais lancer, là le courant va porter le leurre, donc j'ai pas besoin de lancer très très loin, je lance 5-10 mètres du bateau, je laisse couler au fond, je prends contact avec le fond, là je sais que les fonds sont propres, donc j'ai peu de risque de m'accrocher, et ce que je fais c'est que je dandine tout simplement au-dessus du fond, donc je fais une ou deux levées comme ça, je laisse le leurre retomber, alors je contrôle pas la descente, c'est-à-dire que je laisse un tout petit peu de mou pendant que ça descend, pas trop pour pouvoir sentir une touche, mais je laisse quand même le leurre assez libre. Et puis si jamais au sondeur, j'ai toujours un œil sur le sondeur, si jamais je vois qu'entre deux eaux j'ai du poisson, ben je vais assez vite ramener pour essayer de passer dans le banc. Tiens, poisson. Ça doit être un maquereau. Ça, c'est la patate. Sympa à pêcher. Hop. Maquereau espagnol. Maquereau espagnol, on les reconnaît parce qu'ils ont des gros yeux, ils ont des petits points en dessous là, et parfois la queue un petit peu jaune. Donc ça, pour un maquereau espagnol, il n'est pas très très gros. Des fois, on en fait des plus gros que ça. Mais bon, ça fait un poisson sympa quand même. J'espère qu'on en fera un plus gros parce que ça tire vraiment fort. C'est super sympa à pêcher. Ça, il y en a de plus en plus. Donc voilà, ça, c'est hyper facile à pêcher au casting jig comme ça. Ça, je conseille même aux débutants un petit casting jig dans 20 mètres d'eau et c'est parti. Allez, hop. Alors là, on est dans une zone où il y a 25 mètres d'eau à peu près. Le courant va pas tarder à reprendre, le courant de la marée montante, donc on va être sur des conditions vraiment intéressantes pour la pêche tout à l'heure. En attendant, je vais essayer quand même 5-10 minutes de prendre une sèche ou un calamar, parce que voilà, on va meubler un peu ce temps mort, même si on a pris quelques poissons, c'est pas le meilleur moment de la journée. Donc on va voir ça, s'il y a quelques sèches et calamars qui traînent. Donc pour ça, j'ai quelques turlutes que j'ai toujours dans la boîte. Donc là, c'est des modèles de chez Sumizoku. On a des modèles qui sont vraiment super, super typés sur les pêches en bateau. Donc là, moi, ce que je vais essayer, j'ai deux types de modèles principalement, qui sont plombés en 30 et en 40 grammes et avec des paniers différents. Donc je vais essayer un peu les deux selon la profondeur. Là j'ai un panier par exemple qui est très très court, c'est pas le meilleur pour concrétiser toutes les touches. Par contre il offre très peu de résistance à l'eau, donc ça permet de couler très vite et de garder une bonne profondeur. Et autrement je vais utiliser des paniers plus classiques, donc je vais peut-être jongler un petit peu entre les deux pour
pour trouver la plus efficace aujourd'hui. Mais voilà, ces modèles-là en 30-40 grammes, en jouant sur les paniers aussi, permettent de pêcher vraiment beaucoup de sèches et de calamars dans 20 à 30 mètres d'eau sur les pêches en bateau en Bretagne. C'est des grands classiques. Alors là, on a 16 mètres d'eau. Donc ça va être pas mal. Il y a un tout petit peu de vent, un tout petit peu de courant, donc je pense que ça va me permettre de trouver le fond assez facilement. Et puis je vais faire une dérive avec celle-ci. Et si je prends rien mais que je sens que ça pêche à la bonne profondeur, je changerai le coloris. Si ça pêche pas à la bonne profondeur, je changerai soit le poids, soit la forme du panier pour mieux tenir le fond. Donc là je vais simplement lancer pas très loin du bateau et la faire évoluer lentement à proximité du fond. Parce qu'il n'y a plus de courant et je pense que les sèches là doivent être plaquées au fond. Donc on va essayer comme ça. Alors là je vais laisser ma turlute descendre jusqu'au fond et puis une fois qu'elle sera au fond je vais tout simplement lui faire des petits bonds sur le fond, la laisser redescendre, reprendre contact. Souvent c'est bien de faire une petite pause, une, deux secondes, de redécoller et ça arrive assez souvent que les sèches prennent pendant que la turlute soit va toucher le fond, soit dès qu'elle est au fond. Donc je vais essayer comme ça et puis petit à petit, si je prends des touches comme ça je continuerai, sinon je changerai d'animation ou de couleur. Donc là on est sur une zone qui est très connue hein, des pêcheurs de sèche. Là c'est une tradition ici à Belle-Île, cette période-ci, tout l'automne en fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent, on est quasiment en face du port de Palais là. Et tous les jours il y a au moins une dizaine de bateaux sur cette zone-là. Alors il y a des moments qui sont plus favorables que d'autres, là on essaie comme ça en passant, hein, mais il y a des moments vraiment où il s'en fait beaucoup ici. Donc là une. Alors je pense pas que ce soit une très grosse pour ici parce qu'il y a des sèches énormes ici. Donc là je remonte vraiment doucement. J'ai une canne assez souple donc ça va. Je vais enlever un tout petit peu de frein parce qu'au dernier moment, des fois quand elle repart, ça lui déchire les tentacules. Donc là je vais prendre mon temps. Hop, et je vais la mettre à l'épuisette. Là c'est un petit calamar. Alors je fais attention qu'il ne me crache pas dessus, il va le faire quand même. Voilà. Là il crache souvent de l'encre, donc je le laisse un tout petit peu dans l'eau pour qu'il crache. Et je vais le décrocher dans l'eau comme ça, j'aurais pas à le faire, il s'est fait tout seul. Hop. Voilà, un petit calamar qui m'a pris la turlute au fond, tout doucement, animé tout doucement. Je cherchais plutôt les sèches. Donc j'avais pas une animation très rapide. Souvent pour les calamars on va pêcher un peu plus agressif et entre deux eaux. Donc je vais voir, si j'ai pas de touche de sèche, peut-être que j'insisterai un petit peu plus avec une technique voilà, où je tire un peu plus, j'anime un petit peu plus pour voir s'il y a des calamars. Voilà, je vais le remettre à l'eau. Hop, il va repartir grandir. Voilà. En train de partir là. Alors parfois la difficulté quand on commence sur ces pêches-là, c'est qu'on ne sent pas vraiment la touche. C'est un poids qui se met sur la turlute. On pourrait avoir presque l'impression d'avoir accroché un paquet d'algues. Et il ne faut surtout pas ferrer très fort à ce moment-là parce que là on va déchirer. Il faut reprendre le contact, mouliner un petit peu et après on va sentir que ça bouge un peu. Mais c'est vrai que la touche est assez spéciale par rapport à un poisson. On la sent généralement beaucoup moins. Ça arrive de temps en temps qu'on prenne un toc, mais en général c'est plus un poids petit à petit qui se met sur la turlute. Hop, en voilà une. Alors je ne sais pas encore si c'est une sèche ou un petit calamar. Bon, ce qui est sûr c'est que quand on en a au bout comme ça, faut vraiment pas relâcher la pression parce qu'il n'y a pas d'ardillon en fait sur le panier d'hameçon de la turlute. Donc faut y aller assez doucement mais toujours garder la tension dans le filet. Pas tarder à le voir apparaître, c'est pas très gros. Je pense que c'est une sèche. Là voilà, ouais, c'est une petite sèche. Et voilà. Donc elle m'a pris posée sur le fond. Je vais la laisser cracher un peu.
sur une turlute assez colorée. J'aime bien, j'adore ce coloris-là. En 40 grammes. Parce que là, il y a 17 mètres. Hop. Voilà. Ça, c'est de la taille classique. On en a des beaucoup plus grosses ici. Mais... La taille moyenne. Allez, on va la relâcher parce qu'on va pêcher un petit peu encore. Voilà, regarde, elle crache son encre juste maintenant. Parfaite, bien éduquée. Alors là, on s'est arrêté sur une zone, on est vraiment tout proche du bord, on est à 30 mètres du bord. C'est une pointe rocheuse, il y a souvent un petit courant qui passe, que ce soit la montante ou à la descendante, et je le pêche souvent pour le bar, cet endroit-là. Et en général, assez régulièrement, quand je viens pêcher le bar, j'ai des touches de pagre. Je ne les fais pas tous, j'en fais un de temps en temps, parce que je pêche avec des leurres qui sont assez gros. Et du coup, là, je me suis dit, comme on essaie de faire une sortie un petit peu multi-espèce, je me suis dit que j'allais essayer de prendre un pagre. Et du coup, j'ai mis un leurre, un One Up Chad, parce qu'en général, c'est avec ça que j'ai les touches, mais j'ai mis vraiment une petite taille, un 3 pouces, donc un peu plus de 7 cm. D'habitude, je vais plutôt pêcher avec des tailles au-dessus de 10 cm. Et là, voilà, on est sur une bouchée qui est correcte pour la taille de pagre qu'il y a régulièrement ici. C'est des poissons qui font entre 800 grammes et 1 kg en général. Donc là, c'est la taille parfaite. Donc on est sur un endroit où il y a du courant et il y a un substrat, c'est un sable assez grossier, presque coquillage. Et c'est une zone vraiment, un type de zone que les pagres aiment énormément. Quand on trouve la combinaison de ces deux facteurs-là, avec le sable grossier et le courant sur la zone, souvent c'est des bonnes zones à pagre. Donc on va essayer. Allez, c'est parti. Ouais, poisson. On a pris à la descente. Mais j'étais quasiment au fond. Je pense que c'est un maquereau, mais on va voir. Allez, montre-toi. Ah non, un petit pagre. Ça se bat un peu de la même façon. Ça vibre beaucoup. Hop. C'est pas un gros, mais ça, c'est une taille qu'on a beaucoup par ici. C'est magnifique comme poisson. J'adore pêcher ça. Alors, on voit vraiment que c'est... La taille, je parlais de la taille du leurre tout à l'heure, que si je mets plus gros, il va avoir du mal à le prendre parce que ça a une petite bouche quand même. Là, c'est vraiment c'est la taille idéale pour ces poissons-là. Par contre, il faut bien le prendre parce que ça coupe de partout. Allez, sors de là. Voilà, hop. Donc je l'ai pris avec un petit shad de 3 pouces, donc 7,5 cm, non, tout doucement, sur une tête plombée de 7 grammes. Je suis désolé. C'est un petit peu difficile à tenir, ces poissons-là, parce qu'il y a des, ça coupe derrière les opercules, il y a des épines au niveau des nageoires pectorales, qui se plantent assez facilement dans les mains aussi. Il y a la dorsale, et il y en a sur les nageoires anales aussi, donc c'est pas trop par où le tenir, et j'avais pas envie de le serrer trop fort pour pas lui faire mal. Mais bon, souvent il nous échappe des mains du coup. Mais voilà, un pagre en plus, une nouvelle espèce, c'est super. Ils y sont. Ouais. Alors, je pense que c'en est un autre de pagre, mais ça pourrait être un bar aussi, parce que j'ai senti des coups de tête. Je suis pas sûr. Oh, si, c'est un pagre, je pense. J'ai eu une touche juste avant. Et je sais pas si c'est le même poisson qui est revenu. Si c'est deux poissons différents. En tout cas, là, je pense qu'on a trouvé la bonne zone. Ouais, c'est un petit pagre. Et voilà.
essayer de le prendre. Bah, je vais déjà enlever le fil. C'est un petit peu enroulé autour. Voilà, petit pagre, petit poisson rouge. C'est superbe. Avec les petits points bleus là, c'est une très très belle robe. Allez, je vais le relâcher. Alors, je pense que c'est piqué par le travers. Hein. Ou alors c'est plus gros. Eh, c'est plus gros. Ça, ça me plaît plus. Allez. Ah non, on va pas. Il allait se tanker dans une herbe. Allez, sors de là. Je suis monté très fin. J'ai un poisson qui est parti se mettre dans un rocher. Je vais essayer de le laisser repartir. Mais c'est du mou. Pas une très bonne nouvelle, ça. Ça y est. Je pense qu'on a un joli poisson là. C'est une grosse vieille, une énorme vieille, avec son herbe. Voilà. Elle est costaud celle-là. Pour cette zone-là, c'est assez rare d'en prendre des aussi jolies. Elle est énorme. Une belle vieille de Belle-Île. Est superbe. On doit faire, je pense, pas loin de 2 kilos. Et là, prise dans 5 mètres d'eau à peu près, en 20 centièmes en bas de ligne, c'est sport. Hein. Super. Allez. Donc là on est sur une zone principalement sableuse. Il y a deux rochers qui sont ici, qu'on ne voit pas là, mais je sais qu'ils sont là, qui sont décalés à 2 mètres de la bordure. Et souvent il y a des barres qui tournent autour de ces deux rochers là. Ils bloquent, je pense, du lançon contre la paroi rocheuse. Et c'est une zone où il y a presque toujours du lançon. Donc j'ai mis un X-layer, qui est un leurre qui imite parfaitement un lançon. Une couleur très très claire, ça correspond à la couleur des lançons quand ils sont sur le sable ici. Et puis j'essaie justement de passer autour de cette roche-là, sur cette zone-là, où je sais qu'il y a des poissons régulièrement. Donc là, ce que je fais, c'est que je lance vraiment au ras de la bordure. Je tombe à moins de 30 cm. Et puis je vais donner des coups très très secs pour passer au-dessus du caillou qui est décalé à 2 mètres. Et une fois que je l'ai passé, je laisse tomber. J'espère qu'il y a un bar qui a suivi. Macro ça. Alors un petit bar. Je m'attendais à plus gros que ça. Relâcher l'autre côté parce qu'il y en a peut-être d'autres avec. Allez, pars par là-bas toi. C'est très bien.
Alors, souvent sur la zone sur laquelle on pêche, et puis des zones comme ça avec une vingtaine de mètres d'eau, qui sont assez plates, là on est vraiment sur une toute petite butte. C'est le type de zone où on va trouver des barres en groupe ou pas du tout. C'est très rare qu'il y ait un poisson isolé. Par contre, on a souvent quelques dizaines de barres, voilà, un groupe qui est localisé à un endroit, qui va chasser à cet endroit-là, et qu'on ne va pas forcément tenir longtemps. Des fois, ils sont là pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et souvent, on a l'occasion d'en prendre deux ou trois tant que le banc est là. Et puis après, ça se disperse. Bon, après, il y a quelque chose aussi que normalement on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, c'est que un poisson comme celui que je viens de prendre et que j'ai remis à l'eau, il va stresser un petit peu le reste du banc. J'aurais dû le mettre au vivier. Mais idéalement, si on veut vraiment profiter du banc de poissons et en prendre le plus possible, c'est bien de mettre les poissons au vivier et de les relâcher après la dérive. À partir du moment où ils font la taille, parce qu'autrement, il n'y a pas le droit de les conserver à bord. Poisson. Alors, encore une fois, une touche vraiment très très fine. Et puis, ce sera la surprise. C'est pas un gros poisson. Et en grattant le fond, une toute petite touche. Alors, qu'est-ce qu'il faisait au fond, lui? Un maquereau. Hop, reste là. Alors là, on voit la différence avec le maquereau que j'ai pris ce matin, qui avait des gros yeux, qui était un maquereau espagnol. Là, c'est un maquereau classique, quoi, maquereau commun. Voilà, sur un tout petit leurre, et collé au fond. Je grattais le fond, c'est assez rare pour les maquereaux. Donc voilà, c'est vraiment qu'il n'y a pas beaucoup d'activité aujourd'hui. Il y a un poisson à prendre par-ci, par-là. Et voilà. Allez, retourne à l'eau. Ouais. Alors là, j'ai pris un poisson en grattant le fond. Je sais pas ce que c'est. Il y a un petit peu de poids. Quelques coups de tête. Je sais pas si c'est piqué bien par la bouche, si j'ai pas piqué par en dessous. Ah si, c'est un bar. Il y en avait un deuxième derrière. Hop. Mais c'est battu bizarrement. Voilà, un petit bar. Bon ben, on va finir sur ce très joli poisson. On a passé une très bonne journée, on a pris une dizaine d'espèces différentes, donc c'est vraiment l'intérêt des pêches au leurre où on peut réussir en changeant les techniques, en changeant les endroits dans lesquels on pêche et puis un petit peu le matériel avec lequel on évolue. On peut vraiment passer assez facilement d'une espèce à une autre. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, la journée n'était pas facile, hein. Il y avait beaucoup de soleil, on a pêché surtout avec des petits leurres entre 7 et 10-12 cm, c'est ce qui nous a permis de sortir notre épingle du jeu. La volonté aujourd'hui, de toute façon, c'était de faire du multi-espèces. Donc ça, bon, c'est mission accomplie, hein, avec une dizaine d'espèces différentes. Donc voilà, j'espère que ce reportage vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petits trucs et que ça vous aura donné envie de venir pêcher du côté de Belle-Île-en-Mer. Et puis, j'espère vous revoir très vite dans un prochain numéro.